qui nous ont quittés, voici comment. Du Congo avec la complicité de quelques soi-disant Congolais qui parlent le Kinyarwanda, le Kiganda, les langues semblables de Kiganda, des langues ugandaises en République démocratique du Congo qui sont s'impliquer dans différents crimes en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle des différents crimes, on voit les massacres, on voit les viols, on voit les génocides en RDC. Mes confrères continuent toujours à pleurer à nos confrères qui nous ont quittés. Voici comment est-ce que ils inséraient des stucs, des gros sticks dans les parties privées de nos mamans, les parties privées de nos sœurs jusqu'à mourir. Oh, c'est vraiment désolé, Congo est vraiment humilié, la République démocratique est vraiment humiliée, nous sommes vraiment humiliés. Ça se montre que la communauté internationale se tait, ne s'intéresse pas. Nous voici vraiment humiliés, c'est de l'injustice, c'est la discrimination que nous voyons toujours, puisque si seulement si ce n'était pas de l'injustice, la communauté internationale pourrait vraiment s'intéresser au problème de la République démocratique du Congo et pourrait prendre mesure de condamner les auteurs de ces crimes de guerre en République démocratique du Congo, suivant différents rapports des organisations des Nations Unies et autres organisations locales des droits humains en République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes congolais, continuons toujours à pleurer avec les dieux que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Panzambe, Tata Kabizia Mpungu, Tata Lesa Wabaleza, que nous prions chaque fois. Nous vaincrerons toujours notre ennemi et les ennemis seront vraiment humiliés. Soyons toujours derrière nos combattants, les militaires qui s'est dédié d'aller en guerre, qui s'est dédié de faire les combats pour la patrie, pour protéger la population, pour nous protéger. Soyons toujours derrière elle, les encourager chaque fois. Il faut toujours les supporter jusqu'à ce que nous serons victorieux dans différentes guerres que nous voici. Des différentes rébellions et nous voici l'Ouganda, le Rwanda, derrière les rebelles congolais, les rwandophones, les Tutsis congolais, qui ne sont pas les Tutsis congolais, qui sont des rwandophones. Maintenant, nous voici l'Ouganda, les Rwanda derrière les supporter pour combattre la nation de la République démocratique du Congo. Et il y a quelques puissances derrière, puisque les deux pays ne peuvent jamais se battre sur la poitrine et provoquer la guerre et agresser la République démocratique du Congo sans toutefois qu'il n'y ait pas quelques pays, quelques grands puissants, de grandes puissances derrière. Congolais partout où nous sommes, plairons pour nos confrères qui nous ont quittés, ils nous sont nous. Soyons toujours vraiment unis pour humilier les ennemis, pour les mettre sous nos pieds, pour marcher sur nos ennemis. Soyons vraiment unis dans cette période-ci, vraiment période de la guerre, période de la guerre en République démocratique du Congo, période des agressions. Soyons vraiment unis,
unis partout. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Continuons à pleurer pour nos confrères qui nous ont quittés. Continuons à prier chaque fois les bons dieux pour que nous soyons vainqueurs dans ces multiples guerres. Prions les bons dieux, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pleurons pour nos confrères qui nous ont quittés, nos mamans qui nous ont quittés, nos sœurs, nos frères qui nous ont quittés, nos papas, nos grands-pères, nos grandes-mères qui nous ont quittés dans ces génocides et massacres depuis 1996 jusqu'à nos jours. Moi-même, je suis victime de l'un des massacres de Mulongwe, là où j'étais tiré dans la cuisse et le fémur était vraiment écrasé. Eu mes confrères qui étaient morts et certains d'eux étaient enterrés en vie. Les blessés, beaucoup de blessés dans ces massacres-là étaient enterrés en vie. Il y a plus de 500 personnes mortes à Mulongwe et personne n'en parlait pas de ces massacres-là qui étaient dans la journée, qui s'était passé dans la journée. Mes confrères congolais, congolaises partout où vous êtes, je vous aime trop. Je suis votre frère, Master Prophet Alphonse Oral Chris, le petit-fils du roi Moussaboua Walali Gegete Mundi en République démocratique du Congo. Soyons vraiment unis et continuons toujours à pleurer pour nos confrères qui nous ont quittés et continuons toujours à accuser ces pays voisins qui nous agressent chaque jour. Il faut toujours parler dans les médias. Notre voix, c'est notre puissance. Soyons unis. Parlons beaucoup dans les médias concernant les problèmes de la République démocratique du Congo, concernant les agresseurs qui agressent la République démocratique du Congo, concernant les morts enregistrés dans les livres, dans les sites de différents ONG des droits de l'homme dans le Congo et international, partout ils sont. Parlons de ça chaque fois. Montrons comment est-ce que les criminels ont vraiment tué nos peuples. Tous ces criminels qui soient vraiment arrêtés. Ces criminels partout soient arrêtés selon le rapport des ONG internationales et nationales en République démocratique du Congo. Je vous aime trop. Je vous aime beaucoup, soyons unis. Cessons la discrimination, la haine entre nous, peuple congolais, partout où nous sommes. Et partageons l'amour, pour bien renforcer la puissance de Dieu en nous. Il nous faut toujours partager l'amour, peuple congolais, entre nous autres. Partageons l'amour pour gagner la guerre, pour que nous soyons victorieux dans cette guerre. Merci. Je vous aime. Partagez cette vidéo aussi, ce message vraiment avec tous les leaders de ce monde. Partageons ce message avec tous les leaders de ce monde. Nous sommes la RDC. Il faut que la communauté internationale s'équipe de la RDC comme aussi ils sont derrière les autres pays qui sont en guerre. C'est ça. Il faut que la communauté internationale s'intéresse au problème de la RDC comme ils s'intéressent au problème de l'Ukraine après l'agression de la Russie. Il faut que aussi la communauté internationale s'intéresse au problème de la République démocratique, puisque la République démocratique du Congo est agressée.
par les pays voisins. Il faut qu'ils soient derrière nous. Pour exposer, bien exposer nos adversaires. Merci et merci encore. Je vous aime tous. Moi, votre frère, Master Prophète Alfonso Warali Chris. Bye.